No need, eh? Mook, Mook, come from. Salut Patrick, tu m'entends? Tu m'entends Patrick? Ouais. Tu m'entends Lydiane? Regardez Sylvie, elle arrive. Allez voir la robe à Sylvie. Ben, tu m'entends? Ben, tu m'entends, Ben? Salut, tu m'entends bien? Oh, tu m'entends? Je ne vois pas ta mère encore. Salut, Cindy. Bonjour, Cindy, mamie. Allez.
C'est toi qui peux parler? Lydia, moi, ouais, je peux parler, oui. Dis bonjour. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mes chéris. Léa. Ah, Aidan. Merci d'être là. Oh, regarde, qui c'est qui est là-bas? Odd. Hé, hey, Christine. Non, non. Christine, Adrien. Regarde. Isabelle, elle est là aussi, oui. Regarde, Claudine, là-haut. Claudine, ça va? Claudine. Patrick, Merci d'être là. Hein. Merci. Hein. Cindy, ma chérie. Patrick, mamie n'est pas connectée encore. Je vois son nom, mais elle n'est pas connectée. C'est Gérard qui devait s'en occuper. On ne vous entend pas, mais moi, je peux vous parler. Christine. Et Beb. Salut, Christine. Beb, tu es avec Yann. Regarde, Cindy. Salut, Cindy. Hello. Hi, darling. Regarde, Yann. Oh, elles sont belles toutes les deux. Salut Cindy, gros bisous. Ça fait plaisir de vous voir. Il ne faut pas qu'on pleure trop parce que sinon tout le mascara va tomber. Hein. Et mon maquillage est grave. Hein. Allez Yana, ça va ma puce? Oh, ah. Hey Patricia, t'es toute belle. Ah, Patricia, là. Patricia. On vous entend pas. Patricia, on voit que tes yeux. Ah, oh, very good. Tu dis, Cindy, tu ne peux pas nous parler tout à l'heure. À la fin de la messe, on va tous pouvoir parler. Pour l'instant, ils ont bloqué le son. Hein, c'est, on a bloqué le son, c'est à cause de Patricia, c'est tout. Hein. Louba. Salut Louba. Louba. Non mais il est là-bas. Tu vois, c'est lui qui te filme là. Louba, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de la robe de mamie? Ah ouais. Waouh. Mamie, regarde ta maman. Bonjour mamie, tu es là avec Gérard, on te voit. Ça va mamie? Chérie, ta mère. Bonjour mamie. Hein? Hé, hey, mamie. Oh maman, GG, super. Mamie, la messe va commencer dans 2 minutes. Hein? Bon, même plus. Ok. Ouais. Can you hear it? Mm-hmm. I cannot because. No problem. After. Ah. Christine. Oui, j'ai vu Christine tout à l'heure. Gare Sandra. Hey, salut Sandra. Salut Sandra. Salut Sandra. On te voit bien. Salut la petite. Ah, le père est prêt. Ok, la messe va démarrer. Hein. À tout à l'heure. Mamie, regarde, papy est avec nous. Non, non, on fait là directement. Ah. Bah, fais le champ d'entrée, on va faire comme ça, ça ne fait rien. Ouais, vas-y. On peut commencer? Allez. Mais c'est vous qui commandez le champ. Hein. Vous lui dites 1, 2, et il le fait. Salut. Ok. Ah oui, faites comme vous voulez. Ils vont être contents. Ils vont apprécier. Alban qui fait la lecture, il parle très bien le thaï aussi. Allez. Tu crois que c'est une entrée? Non, chérie, à 36 minutes. C'est comme tu veux? Ber. Salut Ber. Salut, je te vois.
Salut Thierry, on te voit aussi. Les amis aussi. Les amis, famille. Il y a toute la... J'ai la Calédonie, la France, le Vietnam. Moi, je suis du Vietnam. Andrea. Salut Andrea, ça va? La dame avec les lunettes, c'est la sœur de Bruno. D'accord. Ça ressemble bien. C'est la maman, là. Maman. Gérard, mamie, on voit que ça, ses yeux. Mamie, on voit que ses yeux. Voilà. Sandra, c'est bien, on vous voit bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est nickel. Hein. La messe va commencer dans une minute. Salut Kika, on vous voit. Kika et les filles, bonsoir. Kika, Cyril, on vous voit bien, il n'y a pas de problème. Sandra, c'est nickel, on vous voit bien maintenant. Hein. De l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Alors voilà, nous sommes réunis autour de Bruno et Sylvie. Bonjour à tous. Nous sommes dans cette chapelle ici à Bangkok et sur l'autel, il n'y a ni encens ni agneau gras par milliers. Nous sommes venus déposer une vie, la vie conjugale, familiale,
chrétienne, sacramentelle de Bruno et Sylvie. Une vie qui porte en elle une efficacité, efficace dans ce qu'elle a reçu de Dieu et efficace aussi dans ce qu'elle produit pour les autres. Il y a Bruno, il y a Sylvie, il y a les fruits de l'amour de Bruno et Sylvie, vous, leurs enfants, Isabelle, Patrick, Adrien, Fernand, Hubert, Bruno et Audrey. Et puis, il y a l'autel, le Christ, cette pierre d'assise sur laquelle est fondée et se déploie votre amour, Bruno et Sylvie. Votre amour pour lequel nous disons merci, pour lequel aujourd'hui nous rendons grâce. Et puis, il y a aussi présent tous les amis. Bonjour à tous les amis qui sont en ligne. J'ai cru comprendre qu'il y en avait en France, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Suisse, en Chine, un peu partout. Voilà, soyez les bienvenus et nous sommes en communion avec vous. Bruno, Lé, Sylvie. บนพระแท่นนี้ไม่มีเครื่องบูชาแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือชีวิตของบรูโน่ความรักของบรูโน่กับซิลวีที่เรามามุ่งหมายให้กับพระเจ้าเพื่อขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่สำหรับลุล่วงไปเนาะชีวิตที่สมบูรณ์ของคุณบรูโน่กับซิลวี On se prépare à rentrer dans cette célébration en demandant au Seigneur sa tendresse, sa patience. Vous allez entendre l'évangile des Béatitudes qui a été choisi par Bruno et Sylvie. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à rentrer dans cet esprit des Béatitudes. On peut se parler après. Je vous invite à répéter après moi, « Béni sois-tu et prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler le royaume, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous apprendre à aimer, pour trouver le vrai bonheur, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, agneau vainqueur de la mort, pour donner la vie aux hommes, béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais demander à Hélène de bien vouloir s'approcher et lire la première lecture. Alika. Alors, la voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, le voici. C'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde fenêtre, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, mon ami. Ma toute belle, et viens, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce, ton visage charmant. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui.
Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaises divines. Les grandes eaux ne pourront atteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Voilà. Continuons notre prière avec le psaume lu par Alban. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans mes ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais, sa main tiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bod an pravarsan tamnak bun Matthieu. พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายจึงเสด็จขึ้นบนภูเขาเมื่อประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ทรงร่มตรัสสอนว่าผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาผู้มีทุกข์เศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวขหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมตตา
ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเบียดเบียนของแง่เพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่นคงแง่และใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นี้ยิ่งใหญ่นักAcclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. เราชินเราคุ้นเคยกับพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า10ประการที่ว่าจงเชื่อในพระเป็นเจ้าองค์เดียวหรือประการที่สองก็อย่าฆ่าผู้อื่นหรือจงคารพนับถือบิดามารดาเป็นต้นก็มีสิบประการเนาะแต่ที่นี่เป็นทางปฏิบัติที่ต่างกันนิดหน่อยที่เรียกว่าบุญญาลาภบุญญาลาภมีแปดประการและไม่ใช่คำสั่งแบบห้ามทำแบบนี้หรือห้ามทำแบบนั้นแต่เป็นทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดความสุขในชีวิตของเราผู้ที่ทำแบบนี้หรือทำแบบนั้นย่อมเป็นสุขเราก็รู้สึกชอบจริงๆบุญญาลาภก็จะพูดถึงบุคลิกของพระเยซูเองเมื่อได้ยินบุญญาลาภเป็นประการนี้เราก็เข้าใจว่าคนที่มีใจอ่อนโยนคือพระเยซูเองพระเยซูก็ได้ทำตนลงเป็นคนสุภาพเป็นคนที่ได้เมตตาผู้อื่นตลอดชีวิตของท่านของพระองค์พระองค์ก็ได้เป็นพยานถึงความจริงด้วยใจบริสุทธิ์และสร้างสันติในโลกของเราและเมื่อถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมเพราะเขามีความต้องการที่จะรักษาความชอบธรรมความยุติธรรมในชีวิตจนจะเสียสละชีวิตของพระองค์ก็นี่คือบุคลิกภาพของพระเยซูทำไมวันนี้คุณบรูโนกับซิลวิโกเชิญชวนเราให้ฟังบทอ่านบทนี้เป็นเพราะว่าอาศัยบุญญาลาภแปดประการนี้พระเยซูก็มองเราและเห็นความอ่อนแอของเราและพระองค์ก็ยินดีต้องการที่จะช่วยเราให้ลุกขึ้นเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอก็พระองค์ให้พละกำลังกับพวกเราเมื่อเราก็รู้สึกโศกเศร้าพระองค์ก็ให้สันติสุขกับพวกเราใครขัดสนก็พระเยซูจะให้ความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่เราเป็นคนบาปทุกคนเนาะพระเยซูก็อภัยบาปของเราทรงเมตตาเราทุกคนและเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตยากลำบากพระองค์ก็ช่วยแบกภาระของเราและสิ่งที่สำคัญด้วยคือตามความเชื่อของเราพระเยซูได้รับธรรมชาติมนุษย์ของเราเพื่อจะแบ่งปันพระธรรมชาติของพระองค์ให้กับเราเรื่องนี้ทั้งหมด
ก็ขอให้เกิดความสุขในชีวิตของเราผู้ที่ปฏิบัติดังนี้ย่อมเป็นสุขวันนี้บุญญาลาภก็เป็นเป้าหมายเป็นทางปฏิบัติที่บรูโน่กับซิลวีตั้งใจที่จะปฏิบัติตามด้วยความรักซิลวีกับบรูโน่จะช่วยกันด้วยกันพัฒนาตัวเองและชีวิตที่สำเร็จแล้วครบ30ปีแล้วอันดับต่อไปก็จะเป็นยังไงคืออันดับต่อไปบรูโน่กับซิลวีตั้งใจที่จะแบ่งปันทำความดีขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับในชีวิตและเอาใจใส่ในชีวิตของเพื่อนมนุษย์เพื่อที่จะตอบแทนสิ่งที่ได้รับตลอดชีวิตของทั้งสองวันนี้ก็เรายินดีที่จะฉลองสินสมรสครบ30ปีด้วยความรักและด้วยบทภาวนาด้วย Alors c'est avec gratitude ah, c'est un mot important hein. Je l'ai découvert en parlant un peu avec Bruno cette semaine. C'est avec gratitude que Bruno et Sylvie célèbrent leurs 30 ans de mariage et rassemblent leurs amis. La gratitude fait des miracles. Souvent il s'agit aujourd'hui de dire merci, et Bruno et Sylvie sont venus dire merci pour ces 30 ans de vie conjugale, familiale, chrétienne. C'est important, le merci dans la vie est important. Souvent, on a appris qu'il ne fallait pas attendre de merci. Peut-être que nous avons appris cela par politesse et aussi par souci de gratuité. Mais dire merci accomplit des merveilles. Alors, nous sommes venus nous joindre à Bruno et Sylvie qui aujourd'hui disent merci. Et leur gratitude est habitée par la foi. Parce que tout cela, leur belle vie, ne s'est pas réalisée toute seule. Ça n'a pas été évident, au point que nous osons dire « Dieu bénit ses enfants ». Oui, le Seigneur agit étonnamment, puissamment et magnifiquement. Alors Bruno et Sylvie ont choisi les béatitudes comme évangile pour cet anniversaire. Les béatitudes, en fait, elles nous dressent le portrait grandeur nature de Jésus. Elles ne disent rien d'autre finalement que ce que Jésus a vécu. Le Fils du Père, c'est lui, le pauvre de cœur. Il s'est fait doux et humble. Il a pleuré de souffrance et de compassion. Il a fait miséricorde aux pécheurs. Il a témoigné avec courage de la vérité. Il a construit la paix. Il a fait tomber le mur de la haine. Il a subi la persécution pour la justice jusqu'au don total. Dans notre vie, on le sait bien, nous avons la chance, la grâce de pouvoir l'observer. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont vécu cette charte du royaume, qui ont vécu les béatitudes. Alors finalement, ce texte que nous avons entendu aujourd'hui, eh bien, il est comme une invitation pour chacun d'entre nous à s'émerveiller des personnes que nous appelons saints et saintes et à qui nous reconnaissons de l'importance dans ce qu'elles nous ont transmis. Dans notre vie, nous accordons de l'importance aux personnes qui pour nous ont été des exemples, des passeurs. Et il y a des gens comme ça dans la vie de Bruno et Sylvie. Certains sont déjà au ciel, la grand-mère de Bruno, nous avons parlé de la grand-mère de Bruno. Certains sont encore vivants, nous avons parlé du père Georges. Et puis il y a aussi la place de la Vierge Marie qui agit dans nos vies. Elle qui, à Cana,
aux noces de Cana, alla trouver Jésus pour dire « Les invités manquent de vin. Marie connaît nos besoins. » Elle le dit à son fils, et son fils nous donne la vie en abondance. Ces personnes, et il y en a sans doute beaucoup d'autres, et je vois trois portraits à côté de Bruno et Sylvie, Germaine, Hubert, Philippe, autant de personnes qui ont compté dans leur vie. Alors voilà, pourquoi aussi cet évangile? Eh bien, c'est parce qu'en nous invitant aux béatitudes, Jésus nous regarde tels que nous sommes, il nous regarde à partir de nos fragilités. Dans nos faiblesses, il veut mettre sa force. Dans nos larmes, il veut déposer un grain de sa joie. Dans nos pauvretés, il veut placer sa richesse. Dans notre péché, il veut offrir son pardon. Sur nos croix, il fixe la sienne. Dans notre humanité, il insère sa divinité. Et tout cela se dit d'un mot, heureux. Bruno et Sylvie, vous ne restez pas longtemps l'un sans l'autre, je crois. C'est que Dieu vous a confié le soin de vous parfaire l'un l'autre. Il vous demeure présent quand vous vous aidez mutuellement à être plus vous-même en ce qu'il y a de meilleur et d'essentiel. Et après 30 ans de mariage, tout cela aboutit peut-être à un nouveau discernement. Comment dire merci? Comment redistribuer? Comment témoigner de votre amour, de l'amour dans la société contemporaine? Bon anniversaire, Sylvie et Bruno, dans la joie des béatitudes. Notre prière vous accompagne et nous vous souhaitons aujourd'hui une belle, belle soirée en communion avec toute votre famille et vos amis. Claudia, on t'a bien vu. Hein. Tu es bien avec nous, Claudia. D'accord. Symboliquement, avant de lire quelques intentions de prière que nous portons au cœur, tous ensemble, nous allons bénir les alliances. Pour placer Bruno et Sylvie dans l'action de grâce en ce jour anniversaire. Bénis et sanctifie, Seigneur, l'amour de Bruno et Sylvie, et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de l'amour par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Est-ce qu'il y a un lecteur? Invoquons le Seigneur qui a voulu dans sa grande bienveillance que l'amour soit l'image de son alliance avec notre humanité. Père très saint, tu nous fais le don de ton amour, comble de tes bénédictions Bruno et Sylvie qui fêtent leur 30e anniversaire de mariage. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Toi qui conduis avec sagesse toute histoire humaine, pour amener les fidèles à participer au mystère du Christ, fais que Bruno et Sylvie, en acceptant d'un cœur égal le bonheur et les épreuves, s'attachent au Christ et s'efforcent de vivre pour lui seul. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Tu as voulu que la communauté conjugale et familiale donne un exemple de vie chrétienne. Fais que tous les époux et leurs enfants soient dans le monde comme le sel de la terre et la lumière sur le lampadaire, qu'ils répandent ton parfum d'amour, qu'ils soient partout les témoins de ton mystère d'amour. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous confions au Seigneur en ce jour anniversaire tous ceux dans la famille, les cousins, les neveux, les amis qui ont un projet de vie commune, que le Seigneur pose sur leur projet un regard de tendresse qui les aide à progresser, à construire et aussi toujours servir. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. C'est en toi, Dieu très bon, que la vie familiale trouve son fondement et sa force. Écoute les prières de Bruno et Sylvie, qu'après avoir suivi l'exemple de la famille du Christ, ils aient la joie de te louer sans fin dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Les grâces que tu nous as faites, sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retourner vers ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. » Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. « Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François-Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux de notre famille qui nous ont quittés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. «
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons rallumé ces lumières qui disent notre foi en la résurrection de Jésus et nous osons prier tous ensemble. Nous qui sommes présents ici à Bangkok avec vous tous qui êtes un peu loin mais proches de nous par l'amitié et dans la foi, nous osons prier selon les mots mêmes que Jésus nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, nous avons une bénédiction pour Bruno et Sylvie. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons, toi qui au commencement a fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Bruno et Sylvie pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient. Puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous allons prolonger cette bénédiction par un temps de méditation en tournant notre cœur vers Marie qui est notre mère dans l'ordre du ciel, qui est notre modèle dans la foi. Nous écoutons l'Ave Maria.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux qui désirent recevoir la communion peuvent s'approcher. เพื่อนๆที่นับถือคาทอลิกก็ขอมารับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าไม่ได้เป็นคาทอลิกก็ขอร่วมสายภาวนาอยู่ที่เดิมครับขอเพลงที่สามครับ Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons une bénédiction solennelle et je vous invite à répondre par trois fois « Amen ». Bruno et Sylvie, recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie. Amen. Que le Fils unique de Dieu vous assiste dans le bonheur et les épreuves. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit ne cesse de répandre son amour en vos cœurs. Amen. Amen. Et vous tous, ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et notre célébration s'achève avec une belle musique qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, je crois. Voilà, Plenty Sea. On va pouvoir se parler à la fin de la musique. Thank you.
Thierry, Thierry, prends ton père, viens à mamie, prends ton père. Ok. Ok. Est-ce que vous m'entendez tous? Bientôt, vous allez pouvoir prendre la parole. On a fait ça pour éviter à ma soeur de dire des conneries. C'est bon? Cool? Yeah. Vous l'entendez tous? Vous entendez ou pas? Oui. Essayez de parler. Tu nous entends? Oui, on voudrait parler. Tu nous entends? Salut! Salut, mamie! Salut, tout le monde! Vous entendez tous? On vous entend très bien. Sawadikap! Vous entendez bien? Oui! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut Claudia! Bonjour papy! Ah bonjour ma petite chérie! Qu'est-ce qu'on est content! Salut Cindy! Salut Glenn! Salut Sylvana! Okay. Bonjour maman! Merci beaucoup! Hein. Ça nous a touché! Hein. Vraiment! Vous avez vu toute la mitaille de là qui sont là depuis des années avec nous? Vous avez vu? Oui. C'est les gens sincères. Vous nous manquez? Oui. Oui. On aurait voulu être là. La prochaine fois, on t'entend. C'était trop beau. C'est vrai. Tika, oui. Le chant de sortie, c'était pour toi. Tu m'as entendu, Kika, ou tu ne m'as pas entendu? Le chant de sortie, c'était pour toi. Tu n'as pas entendu? Le chant de sortie, bien, c'était pour toi. Il y avait une petite fille, ma chérie. Regarde ça. Vivement qu'on soit ensemble. Oui, vivement. Hein. Oui. Salut Diana. Gros bisous. Encore une fois, félicitations à tous les deux. Ouais. T'as réussi, Evelyne, quand même, hein? J'ai changé d'ordi. Pas facile. Ah, ma petite fille, Danielle, ça va bien, hein? Ah, Hubert, oui, t'as mis la veste? T'as mis la veste, Hubert? Isabelle, elle est là, regarde. Ouais. Ah, Christine. Vous embrassez oui. Bisous. Christine, dans l'assemblée, il y a une jeune personne qui a lu ton livre et qui souffre du même problème que tu as eu. Pomme. Chico, on est dit. Elle est partie. Elle a 38 elle, ans. Elle m'a dit, Sylvie, oui. Elle a lu ton livre. C'est gentil, merci. Et elle va en écrire un aussi. Ah, c'est bien. Ouais, elle est en train d'en écrire. Hein. Ben voilà. On va écrire une livre. Bien, qui a lu? C'est Céline qui a lu. Bonjour. 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 Tiens, tu vas nous nourrir ce soir. Ma petite fille. Ma belle fille. Ma soeur. Les amis, ma nièce, mon fils Bruno, ma nièce, mon fils aussi.
Gilles, mon beau-frère, maman et le frère de Sylvie, Andrea, notre nièce, Christine, notre amie, Isabelle, notre amie, Sandra, on ne la présente plus. Sylvie et son mari, Claudia. Et là, Tam. Qui c'est qui est d'ailleurs Tam? Clément. Clément. Ah, je ne t'ai pas reconnu. Salut mon fils. Liliana, son mari, Thierry et son épouse Evelyne. Eric. Eric, voilà. Mais je m'en rappelais. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant on va aller faire la fête. Bien. Alors, profitez. Amusez-vous bien. Profitez. Vous avez raison. Félicitations encore. Pour ceux qui ont WhatsApp, dans une demi-heure, on va vous appeler. Comme ça, on pourra vous faire un petit coucou de là-haut. D'accord? Ah, super. Parce que comme on a beaucoup parlé du ciel, on va être au 38e étage. On se rapproche un peu. On vous aime fort. Bisous. 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 On vous aime. Bisous. Bonne journée. Bisous tout le monde. Bisous. À bientôt. Je vous souhaite une belle fête. Marie, Sylvie, elle est magnifique ta robe. T'es trop belle. Ah, c'est vrai. Bisous, mamie. Tata, mamie, bisous. Hey, mamie. Non, c'est pas Sarah. Sarah, laisse-toi. Regarde qui colle, je veux te voir tout bas. Oh, Sarah. C'est un casse-couille. Ah, folie. Non, je vous paye, je paye de gars, non, je paye pour mille. Merci. 14, 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 Bisous. Hello. Super. Ça va mon grand? Mais ouais. Alors, très bien. Content. Belle cérémonie, hein. Ah, elle est là. Coup de crème, elle est là. Mange à qui? Le star. J'ai oublié ta barbe, Adrien. Ouais. Et les cheveux, non? Vu ça? John Wick. John Wick. John Wick, exactement. Ouais, très beau. Hubert, elle a déjà une barbe. Hubert, ça fait longtemps. Kika, restez branché sur votre WhatsApp. Dans une demi-heure, on vous appelle. Hein. Ok. Dans une demi-heure, on vous appelle. Hein. Salut Gérard, merci beaucoup Gérard d'avoir venu à Mami. Hein. Merci beaucoup. Bonne santé, c'est normal. Je t'embrasse, bisous. C'est unique, hein. J'ai pas vu si la maigrie. Belle fête, c'est un nom. Très beau. Bon. Bah la grosse, on s'appelle. Oui. Maintenant que j'ai maigri, dis encore la grosse. T'as vu, Adrien? Tantine, pas maintenant. Hein? Hein? On m'entend? Oui, bien. Dire mes bêtises. On entend que toi, Tantine. Oh, c'est vrai, c'est bien. Oh, ça fait du bien de se lâcher. Elle se retenue tout le temps. Se retenue, ça me fait une boule ici. Ça va les attends, enfants mais... ah, c'était une belle cérémonie, hein. Ouais. Alors ça, vous voyez mamie, là, c'est bien. Mamie, on est contente de vous. C'est long distance. Attends, Bruno, attends. Adrien, il pleure. Adrien, c'est la rose. À mettre un pull d'homme. On t'entend pas, maman. Vous êtes sûr, hein, c'est une petite veste. Que vous avez, c'est une veste. Attendez un peu, il y a un peintre qui a fait un portrait en direct. On va vous le montrer, là. Il est le peintre. Il a fait un portrait en direct. Bon, c'est pas flatteur parce que je suis un peu gros. C'est un cadeau de haut, regardez. Il a tout pris. On peut zoomer un peu le... Allez, zoom.
Bah, il a fait un gros monde, hein. C'est plus ça aujourd'hui, il s'est trompé. C'est beau, hein? On peut tout. Super, hein? Bien. Très bien. Un beau souvenir. Super, hein? Encore un instant. Pour qui? Ah, oh, il a dit que le cadeau, c'est pour vous. Non, ça vient de nous. Non, ça vient de nous. Ah, ça vient de vous? Oui. Ça vient de nous, pour vous. Pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Oula. C'est le cadeau, ça vient de... En tout cas, c'est très bien fait. Merci beaucoup. Hein. Et okay, c'est vrai. On va arrêter parce que les techniciens, ils sont là. Claudia, garde ton téléphone avec toi parce que tout à l'heure, on va te l'appeler depuis là-haut. Hein. Tu m'entends, Claudia? Non. Tu m'entends pas, Claudia? Non. Bon, allez. Thank you very much, Kuno. Thank you, Kuno. Oui, c'est original, puis c'est fait sans nom. Non? Non. Good artist. Good artist. Pauline, je sais pas si elle a assisté. Ah, mon père. Eh, oui. Bruno. Ma mamie, elle est partie, madame Saline. Elle est partie, c'est trop tard. Non, elle est là, mamie. Ouais, non, mais il est plus là. Dis-lui. Non, elle est partie, là. Gérard, il est là. Mamie, ça lui vient, mais elle est toujours là. Mamie. Tonton. Mamie. Non, Gérard, merci, ouais. Attends. Il est là. Allez dans le micro. Ah, c'est juste le micro. Doucement. Oui, bonjour madame. Oui. Je me souviens bien de votre passage. On a fait mémoire de votre passage avec Sylvie et Bruno. On en parlait encore il y a quelques jours. Je m'en souviens bien. Ah, j'espère que vous allez bien. On était bien contents d'être avec vous et vos enfants, voilà, pour ce bel anniversaire et cette prière familiale. Bon, tout mon meilleur souvenir. Merci beaucoup, mon père. Hein. Merci beaucoup d'avoir célébré la cérémonie. Mamie, le père vient manger avec nous. Ah oui, c'est bien. Il faut ça. Ben, allez, à tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà.